Bonjour, je m'appelle Éric Charbonneau. Je suis producteur laitier dans le secteur de Saint-Brigitte-d'Iberville. Dans le fond, nous autres, on tire 35 kg de lait, mais on est en ce moment en plein d'expansion pour augmenter la chatelle. En fond, à doubler notre production laitière à 60. Puis, on est, quand je dis en plein projet, c'est que hier, en ce moment, on est en train de poser notre pipe à lait. Fait que vraiment, les vaches, elles rentrent là d'ici 2-3 semaines. Mais là, on vient d'apprendre la demande de Trudeau. Puis, comme vous voyez, j'étais assez jeune. Fait que dans le fond, j'ai mon père et mon oncle qui sont aussi dans l'entreprise. Mais eux, ils seraient prêts à bientôt, peut-être dans 5-6 ans, à se retirer. Mais en ayant un prix du lait qui s'annonce bas, ils ne pourraient pas avoir la retraite comme ils auraient espéré avoir. Fait que ça crée un stress, cet accord-là, sur votre entreprise, sur votre projet d'expansion. Là. Oui, ça crée un gros stress, autant pour moi que pour eux, que pour toutes les productions laitières. Dans le fond, ce qui est en plus, ce que Trudeau a accordé comme la porte dans le fond qui a ouvert aux Américains, mais c'est encore, le futur est incertain parce qu'il a accordé ça aujourd'hui, mais dans plus tard, qu'est-ce qu'il va accorder? Et est-ce que ça te remet en question ta décision d'avoir agrandi? C'est sûr que ça remet un peu la décision d'avoir grandi, mais faut oublier que là, il est un peu trop tard pour retourner parce que toute la charpente, la tôle, les murs sont toutes montés. Fait que l'investissement est déjà fait, là. Il est déjà trop tard pour reculer.